Bonjour, 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 la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Voilà, je dis ceci au peuple de Guinée. Il ne faut pas se laisser distraire par le comportement de ce groupe de bandits du CNRD. Vous savez, avant-hier, on avait appris la mort du colonel Célestin Bilivogui. Et nous savions tous que ce monsieur n'a rien fait. Les éléments de Bala Samoura l'ont enlevé. Et le procureur est sorti faire un communiqué bidon, innocenter le gouvernement. Et avant-hier, ce même gouvernement appelle la femme de monsieur Célestin. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est une honte. Honte pour ce gouvernement. Et même la mort du pédiatre Djoubaté à Cancan est venue s'ajouter à ça. Donc, rivalité entre eux, ça ne va pas entre eux. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre affaire. Il faut que les Guinéens se concentrent à l'essentiel. On dit le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime, les Guinéens ne vont pas oublier tout ce que ces voyous sont en train de faire. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, avant d'aller au boulot, donc je me suis dit, je vais faire ce live. Il ne faut pas que les gens oublient. Le procureur Fallou est sorti ici se flanquer devant les Guinéens pour innocenter le gouvernement. Alors, qu'on nous dise qui a retrouvé M. Bilivogui. Qui avait M. Bilivogui? Attendez, le maudit là. Je ne me fatigue pas, c'est ton père qui paye mes factures. Je me fatigue, je ne me fatigue pas. C'est ta maman qui paye mes factures. C'est tes parents qui payent mes factures. Des maudits là. Je ne me fatigue pas, toi le maudit, comment tu es tout le temps dans mon live? C'est là d'abord tu dois penser. Les maudits là, vous soutenez un régime de bidon avant de dire que moi je ne me fatigue pas. Toi le maudit là, si tu es fatigué, c'est toi qui ne dois pas me regarder. Si c'est toi qui es fatigué, le maudit, tu ne viens pas regarder Damaro. Mais toi tu n'as pas moi à me dire parce que tu n'as pas mon énergie. Voilà, quand on a un engagement envers son peuple, oui, on ne se fatigue pas. C'est comme l'armée, des maudits comme ça là. Pensez que vous allez nous distraire? Vous pensez que vous allez nous distraire? Ils veulent nous faire oublier tout ça. C'est comme le monsieur à Cancan, un pédiatre. Et d'ailleurs, les gens disent que le monsieur, souvent, il avait des folies. Ils prennent le monsieur. Ils le gardent en prison. Maintenant, il faut nous faire oublier. Il faut parler de rivalité entre eux. On s'en fout, CNRD. Ce qui reste clair, le 31 décembre, c'est le dernier jour. Bande de bandits. Bande de bandits que vous êtes. Vous pensez que nous, on va oublier? Sadiba? Le général Sadiba? Vous pensez que nous allons oublier? Vous pensez que les gens vont oublier Petit Diané? Vous pensez que les gens vont oublier Cabinet Traoré? Vous pensez que les gens vont oublier Kouyaté? Vous pensez que les gens vont oublier Souma? Tous ces gens des forces spéciales que le bandit a éliminés au palais, vous pensez que les Guinéens vont oublier? Vous pensez que les parents des victimes du 5 septembre vont oublier? Non. Vous pensez que tous ces victimes des Guinéens que vous avez vidés dans les cités, aujourd'hui, donner à des expatriés, vous pensez que les gens vont oublier? Vous pensez que la souffrance des Guinéens aujourd'hui, la cherté de la vie, vous pensez que les gens vont oublier tout ça? Vous pensez que nous allons oublier les élections? Comme vous l'avez dit, d'ici le 31 décembre, la fin de la transition, vous pensez que vos bêtises que vous êtes en train de faire entre vous, nous n'allons pas oublier. Nous n'allons pas oublier la fin de la transition. La fin de la transition, là, nous n'allons pas oublier. Non, nous ne pouvons pas oublier. Et c'est ce que vous devez comprendre. Nous n'allons rien oublier. Si vous voulez
Faites des crises que vous voulez. Si vous voulez créer des situations entre vous, tant que Mamadi ne tombe pas, il n'y a rien. Si vous voulez, au final, Boulakaloumkoué, Arafaou Makianara, tant que Mamadi Moubira, Amara Moubira, Doumbouya Moubira, Idi Amin Moubira, c'est qu'il n'y a rien. Anna Otagimène. Le fanfaron de Amara est sorti, non? Pour faire un communiqué. Malgré que les travailleurs d'État, Kaloum s'est vidé hier, Biragi, Force spéciale est dans Mégué Ramouto Mouyefe. Mais pour vous dire combien de fois ces gens, c'est un groupe de voyous. Amara est sorti hier. Korokoera, Ako, il a fait sortir un communiqué qui n'est même pas signé pour vous dire combien de fois ce sont un groupe de voyous, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Mais si vous pensez que nous allons oublier, nous n'allons jamais oublier. Non. Nous ne pouvons pas laisser notre pays, la Guinée, dans les mains de ces bandits, de ce voyou comme ça, des voyous. Non. Nous ne sommes plus dans une république. Un groupe de voyous qui a pris le pays en otage. Et ils font des futilités pour nous faire oublier tous ces morts. Non, non, non. Nous n'allons pas oublier. Jamais. Si vous pensez que nous allons oublier tout ça, nous n'allons pas oublier. Oui, toi, Lamine Condé, le maudit là. Je ne suis pas le seul Guinéen parce que ce n'est pas ton père qui est mort. Oui, toi, Lamine Condé, Alouna Fidelou, vous les ethnos là, Alou ethnolou, sous, c'est-à-dire Aliama Soukolé. Si le colonel Célestin, c'était ton père, tu n'allais pas dire de me calmer. Si Sadiba, c'était ton père, tu n'allais pas dire... Voilà. Si le monsieur qu'on a tué en prison encore était ton père, toi, Ko Lamine Condé, là. Alou Danka Denou. Alou Mital Mirila. Diamana Kenya Mafenebi. Troya Mafene Monkoka. La Guinée Slalou Mafene. École Lou Mafene. Des maudits comme ça, là. De me calmer. Maudit, là, j'étais attaché. J'étais mis une corde. De me calmer, je ne suis pas le seul Guinéen. C'est parce que vous êtes des inconscients. Tout Guinéen conscient aujourd'hui ne va pas accepter, ne va pas rester indifférent. Fais tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Si tu es indifférent, c'est que tu es parmi eux, maudit là. Tu es fier qu'on arrête un colonel, on le fait disparaître et après on appelle sa famille pour venir prendre son corps. Des inconscients comme ça, comment tu peux être indifférent face à ça? Comment tu peux te calmer face à ça? Des inconscients comme ça, des ethnos. Vous n'avez pas honte? Comment tu peux rester indifférent face à la situation du pays? Il n'y a pas de route. Comment tu peux rester indifférent? Tout ce qui était le sac de riz, 230 000, nous sommes à près de 400 000. Comment tu peux rester indifférent? Les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire, comment tu peux rester indifférent? Ça ne va pas chez vous? Des maudits comme ça. Bien que ça soit qu'on non, il faut rester indifférent. Vous n'avez même pas honte. Comment vous voulez que moi, Damaro Géré, moi actuellement, j'ai fini juste de prier là. Je me suis réveillé, j'ai fait ma toilette, j'ai prié. Maintenant, là, je vais travailler. Et c'est pourquoi je fais la vidéo, parce que quand je sors tout de suite là, je vais faire 3 à 4 heures avant de prendre ma pause. Moi, je ne suis pas maudit comme vous. Le temps que je fais là, le temps, c'est de l'argent ici. Je pouvais mettre mon application tout de suite en marche. C'est de l'argent. Le matin ici, les gens, voilà, vont au travail ici. Si vous voyez qu'on fait tout ça là, c'est pour le pays. Ils ont fermé les médias pour ne pas qu'on parle de toutes ces bêtises qu'ils sont en train de faire. Regardez-moi des maudits comme ça. Alors que si moi je suis le seul Guinéen, c'est parce que vous êtes inconscient. C'est parce que ce n'est pas vos parents. C'est parce que vous... Voilà, ce n'est pas un membre de votre famille que vous restez indifférent. C'est parce que vous n'avez pas de cœur. C'est parce que vous n'êtes pas des humains. Ni Adama Dentou Kakaïlde. Ali Komaki, la famille. Mais Kodul Barakla, Général Saliba Mafene. Un groupe de voyous, bandilou, Kanaka Kefwa. Alma Daoma. Colonel Célestin Bilevogifana. Kakaola. Photo Bansan Koson. Kakemina Kablakasola Kassa.
ni tate danka dinyaye, kafoko si je suis le seul. Aux États-Unis ici. Foniki mange, et les bilos. Les docteurs Kassori, les Damaro, tous ces gens-là sont en prison. Comment on peut rester indifférent? Un groupe de voyous, ils sont en train de voler, construire à longueur de journée. Comment vous voulez que nous restons indifférents? Naitate malobiliaye. Comment vous voulez que les gens restent indifférents? Des inconscients comme ça, là. Naltate hankri doyaye. Djamana akakachian lunyakoro. Vous, comment on appelle les soi-disant supporters du CNRD, Otangalu Kombiti Rane, Muntambara Falaober, moi Damaro, Oakolo, moi j'ai pas froid aux yeux, moi Manaram Falafé, Nathan Falamane Ndangi, mais Naram Falama Aubert, nous on a des choses sérieuses à débattre, aura futilité Otangalu Kombiti Ramene, Otanga Moutan Kombi, Obarato, Mara Falaober, moi vous des petites personnes, Otanu Kombiti, Ntamotan Kombi Made. Aura maître, aura chef bandit, Dumbuya, nanan kombima. Ota maradi. Parce que bandit, mounyeti, il fait fait fala mounyeti ma. Non dini be. Donc, la famille, je ne vais pas vous retenir. Voilà, c'est très tôt le matin. Merci à tout le monde. Voilà, concentrons-nous sur tout ce qui se passe, dénonçons. Comme les organisations des droits de l'homme sont en train de le faire aujourd'hui à travers le monde, ce qui se passe en Guinée, une manière de nous faire oublier, c'est pourquoi les futilités, ça va entre eux, ça va pas entre eux, des tirs à Kaloum, pour que Merera panique Moura Nemou, essentiellement, le CNRD, on n'oubliera pas tout le mal, c'est-à-dire, on a fait comme Nara Mbirina Bafé. Oui, voici encore un maudit qui est là. Laissez-moi, je vais répondre. Toi, quoi, Lady Boss, là, je ne fais rien pour la Guinée. Maudite, là. C'est moi qui suis le président de la Guinée. C'est moi qui suis le président de la Guinée. Moi, quand je travaille ici, j'envoie l'argent aux Guinéens. C'est ma contribution, ça. Le bandit qui gère la richesse du pays, là, c'est à lui qui doit dire ça. C'est lui qui avait dit ici, ton bandit de Mamadi Doumbouya, qu'il allait réconcilier les Guinéens. Il est venu casser la maison de celui, le chasser. Chasser Sidi Touré. Alpha Condé, les docteurs Kassori sont en prison. Maudite là, c'est moi Damaro qui le fais. L'augmentation du sac de riz, maudite là, c'est moi qui le fais. Nos routes gâtées là, c'est moi Damaro. Colonel Célestin Bilvogui qui est mort là, c'est moi. Sadiba, c'est moi. Regardez-moi des inconscientes comme ça là. Des tonneaux vides. Au lieu de dire l'essentiel, qu'est-ce que tu fais pour toi? Moi, quand je travaille chaque jour, l'argent que j'envoie au pays, si je te montre les factures, les reçus, ce que j'envoie, des maudites comme ça, là, avant de poser la question, il faut réfléchir. Chacun s'occupe de sa famille, mais l'État s'occupe, voilà, de tout le monde, c'est ça. Moi, je m'occupe de ma famille d'abord. T'as une fois entendu? Ma famille, une fois quelqu'un sorti, Damaro, il s'occupe pas de sa famille, Damaro ne fait rien. Tu as une fois entendu ça sur les réseaux sociaux, maudite là. On parle de l'État. Nos routes, c'est l'État. Nos écoles, c'est l'État. Le salaire des fonctionnaires, c'est l'État. Moi, c'est de ça que je parle. Maudite là, inconsciente. Vous ne réfléchissez pas. C'est pourquoi je dis autant Dougoula, Dorona, Nadie, Fora. Harli Mamota, Nadie. Ngaye, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Quand j'ai appelé à l'unité ici, là, maudite là, ça va pas chez toi? La famille, ça c'est individuel. Moi, quand mes tantes m'appellent, mes oncles, je dois m'occuper d'eux. Mais vous n'avez jamais entendu ici. Regardez-moi des inconscientes comme ça là. Quand tu fais quoi pour la Guinée? Si ce n'est pas être bête. Les enlever ici. Donc, famille. C'est le matin. Nous, on va aller bosser. Et Inch'Allah, nous n'allons pas oublier tout ce que ces bandits sont en train de faire. Célestin Bilivogui, avant-hier. Hier, le monsieur en prison, le pédiatre qu'on dit qu'il était malade, les voyous l'ont pris, l'ont gardé en prison jusqu'à ce que,
Afafaramene, Moumoune Moumana Birima. Fonike Mangi, aujourd'hui, c'est comme si on n'a plus d'espoir pour les Fonike. Vu que le fanfaron de procureur Fallou Doumbouya est sorti ici, se flanquer devant nous pour faire un communiqué soi-disant, Monsieur Bilivogui et les autres. Voilà. Pourtant, c'est le même fanfaron de procureur qui est sorti ici pour faire le communiqué. Pourquoi le même fanfaron de procureur n'est pas sorti pour annoncer la mort lorsqu'ils ont découvert que Monsieur Célestin est mort? Pourquoi le fanfaron de procureur n'est pas sorti, Fallou Doumbouya? Je vous ai dit, vous avez affaire à des guignols, à des comédiens, à des bonariens co-responsables. Pourquoi le procureur jusqu'à présent n'a pas fait de communiqué pour soutenir les Guinéens sur la mort du colonel Célestin Bilivogui, père son âme? Pourquoi le procureur jusqu'à nos jours, jusque maintenant, pourquoi il n'est pas sorti? Pourquoi? Mais Amara a le temps de faire un communiqué bidon hier, parce que eux-mêmes, entre eux là-bas, ils ont sémé la pagaille à Kaloum hier, et la pagaille là-bas fait Kaloum. Amara se sort hier soir faire un communiqué bidon, que lui rassure la communauté internationale que ce que nous nous disons, c'est pas vrai. Ok, Amour l'enfeu Tagimène, pourquoi vous bloquez les rues à Kaloum? Et toi, Thomas, fouillantena Nadira. Bon, regardez encore un maudit qui dit qu'on a des coups d'État hier. Elhadj Badra, qui a parlé de coup d'État hier? Voici encore des maudits. Vous pensez que moi, Damaro, moi, je suis comme vous? Qui a parlé de coup d'État hier? Personne n'a parlé de coup d'État hier. Voici le maudit, Badra. Personne n'a parlé de coup d'État ici. On a dit c'est entre eux là-bas. Voici des maudits comme ça, là. C'est comme ça, ils viennent mentir, flagrant devant les gens. Tu n'as même pas honte. Tu as entendu dans la bouche de qui hier, de quel Guinéen hier, qu'il y a coup d'État? On a dit c'est entre eux là-bas, des maudits comme ça, là, quand quelqu'un a parlé de coup d'État hier. C'est d'abord, un, tu n'es pas moi dans mon esprit. Sinon, tous ceux qui me suivent là, ils peuvent témoigner ici, des maudits comme ça, là. Vous souffrez de... Quelqu'un a entendu dans la bouche d'un blogueur hier, coup d'État, on a parlé de rivalité entre eux. Non. Laissez comme on appelle ces maudits-là. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Voilà. Parce que le sorcier Arawalinar, Dumbuyatan, Mekifaranar, Wulitan, Wulirafama, Anouge, Wuli, Fou Mamadira Wuli Nanto. Voilà. Ntambara Fala Obe, Mamadi, c'est un psychopathe. Wallah, psychopathe nana Mamadira. Mamadi Mouyalango, Mamadi Mouyalang, c'est un psychopathe. Donc, Amune Ebese sera Arawalinar, Abaraba, il a fait depuis longtemps. Monsieur Kondé et ses enfants à Kindia, Alpha Kondé Ratan, Mamadi Bara Wali Bebe Nanaba, donc Farama Abese sera Anna Moutanambe, Moutan Haklima, Moutan chrétien musulman, Nregaro Alayara. Amouna bandi Mamadou Doumbouya be cessera. Tant que le bandi est là, la Guinée kuna kanamane. Non dina narana, c'est ça. Ribéry Barry, merci à tout le monde. Mohamed Aïssatou Donzo, voilà. Ibrahim Abba, il ne faut même pas répondre, c'est maudit là. Ousmane Ali Kamara, il ne faut pas les répondre. Attendez, le maudit là, je vais d'abord le bannir. Je le bannis complètement. Prochainement, il ne va plus me distraire. C'est pourquoi quand je vous dis je bannis les maudits dans mon live, c'est ça. Lui, il est banni pour de bon. Talib Diallo, merci à vous. Sekou Kamara. Voici encore. Bon. Je ne vais pas lui répondre. Je ne vais même pas gaspiller mes salives pour dire voici quelqu'un qui dit moi, je me bats pour quoi ou pour qui. Voici des inconscients comme ça, là. Quand on parle du changement, du retour à l'ordre constitutionnel, tous ces inconscients, là. Je vous dis, il y a tellement de tarés dans notre pays. Tellement de tarés. Il n'a fallu tarés. C'est mieux qu'on y, quoi. Ça sera reconnu. Et t'as mal compris, ma, quoi. Merci à Mohamed Leroy. Augustin Oliano, merci à vous. Mouri Djoubaté, merci à vous. Sam Normand Onduno, merci à vous. Merci. Ousmane Bangoura, il ne faut même pas lui répondre. Talib Diallo,
Et nous, ce que nous demandons aux Guinéens, c'est de se donner les mains. De Yomou jusqu'à Kassa, Bilinga Brega Somburir. Mettons l'intérêt supérieur de la nation devant. Moura parti fait, moura ethnie fait, on met de côté. La Guinée est prise par un groupe de bandits, Angbansan. Donc, tant que Moumou n'a bandit de Angbansan Bana, la Guinée Moussigama dède. Donc, non dina nagana. Et Wama mou distrait fait une futilité. Etana kolo finkarna etana nyira la gineto. Ebara finkare ba la gine sore yira. Finkare nou boula. Mgiyonya naga. Tanke mouma me lo bandi Mamadi Doumbouya. Nabara siga. Idi Amine. Amara. Bala Samoura. Tanke mouma me ne bara siga. E nagam biri na bafe. Brui na ratun. Voilà. Mamed Aissata Donzo. Mamed Aissata Donzo. Merci à vous. Merci à Ribéry Bari. Abib. Merci à vous. Cheikh. Merci à Amara Traoré, je vous ai dit, ne le répondez pas. Ali, Ndira So, merci à vous. Mohamed Gale Diallo, Aliou Kane, merci à vous. Merci à Abdul Karim Ba. Voilà, Kondé, Amadou Diallo, Sali Saliko, merci à vous. Ousmane Bangoura, Inyanaradje Yabi, Mohamed Sidibé, merci à vous. Stone Abou, Monique de Laurent Camara, Barry Malado, Ousseinatou Diallo, merci à vous. Abbé Marwan, merci. Carlos Souma, merci à vous. Sako. Live QB. Merci à Moto Pump, merci. Amadou Djoulde. Elhaji Ibrahim Khalil Skaba, merci. Ibrahim Sako, bonne journée à tout le monde. Et à ce soir, Fatmata Sanaba Diallo, comment il va organiser des élections? Les bandits ont peur de partir. Toumi Djabi, merci à vous. Koulam Justin Lokote, merci à vous. Non. Je sais, Kalou Sangare, il y a beaucoup de personnes et virus dans ma page. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a certains, même si vous voulez envoyer des likes, au mon nom, Fadara. Autant comprendre combien de fois je vais vous faire page, ma trophée. Mais voyou nerena et virus et mon nom, Sade, biring bema. Sinon, je vais vous faire lancé 10 000 personnes, 15 000 personnes n'ont pas matodi. Mais les bandits et barakata birinaba, ils font venir des experts et fait birinaba et ça m'aura pas je compte. Sinon, même gesserait, mon nouveau life raba m'rewa ma matofe. Mais les bandits, ils font venir des experts, mais et barataga, c'est-à-dire vous êtes nombreux que ces gens aura like et beau, aura commentaire fanny et beau, Facebook bara mato. C'est pourquoi Facebook, même s'ils vont signaler moi mes pages, Facebook ne regarde plus maintenant. Makin Sidibé, merci à vous. Mohamed Diané, voilà. FD Diallo, Aliou Gengan Diallo, merci à vous. Dalaba officiel, Mohamed Kalo, merci à vous. Fode Fosto Amana Keita, merci à vous. Castello Rocaleo, merci. Merci à Alexandre Pivé. Bonjour. Thank you.